encore longue. Ne cherchez pas votre revolver, vous ne trouverez pas. Thomas Paganès l'a caché. Il estime que c'est plus prudent. Ma chemise est raccommodée. C'est aussi Paganès qui a fait ça? Non, c'est moi. Ce chariot et ce petit? À moi. Alors Paganès est votre mari? Mon mari est mort. Je devrais bien l'être également. Vous l'étiez presque quand nous vous avons trouvé. C'est une chance que nous soyons passés dans les parages. Je pense que vous étiez là depuis très longtemps. Vous lui causez, cap, ou je le fais? Monsieur, vous venez venir par ici? Comment est-ce que vous vous appelez? Bannon, Ned Bannon. Je crois que Mme Hélène a dû vous dire où on vous a trouvé. Oui, elle me l'a expliqué. Vous pourriez nous raconter ce qui s'est passé? Comment vous étiez là avec cette blessure? Ben, nous voudrions que vous nous compreniez. Nous pensons à nos femmes et à nos enfants. Celui ou ceux qui vous ont tiré dessus vous cherche peut-être pour en finir avec vous. On vous attend, Yankee. Je me rendais vers l'ouest. Où ça? Où allez-vous? Je vais à Bishop Valley. Je connais pas ça. C'est bizarre, vous y serez bientôt. J'ai dit que je connaissais pas ça. Laisse-le parler, Paganès. Quand je suis arrivé sur ce tertre où vous avez dû me trouver, j'ai aperçu un petit troupeau que conduisait une douzaine d'hommes. À l'instant, je me disais que c'était pas normal de voir un troupeau aussi petit dans ce coin-là. Un type en embuscade a battu mon cheval. Et ensuite, moi. Mais pourquoi?
Enfin, si vous ne faisiez rien, pourquoi vous a-t-on fait ça? Je l'ignore, ou alors je voyais ce que mes yeux n'avaient peut-être pas à voir. Vous avez vu l'homme qui vous a tiré dessus? Pas assez distinctement. Mais vous avez vu quelque chose? Je me rappelle uniquement ses éperons fantaisie et sans fusil. Comment se fait-il qu'on ait vu ni bétail, ni traces, ni rien? J'allais justement vous poser la même question, monsieur. Qu'est-ce que vous insinuez? Ça va, c'est de parlotte pour ce soir. C'est bien ce qu'on verra. Monsieur, asseyez-vous, attention à votre blessure. Qu'on lui apporte à manger. J'ai dit que je voulais discuter. Spagones, il est blessé et il a le ventre creux. Je le sais. Allez, donnez-lui une assiette. Ce que je veux, c'est mettre les choses au net. Spagones, ça doit savoir parler, un Yankee. Ça sait tout faire, ces gens-là. Violer, brûler, piller. La guerre n'est pas finie. Mais surtout brûler. Ils font pas de différence entre ce qui brûle, bétail, volaille, femmes et gosses. Eux, ce qui leur plaît, c'est la chair brûlée, pas vrai, Yankee? Qu'est-ce que je dis, Yankee? En voilà assez. Quoi? Non, arrête, Pagones! Ne le tue pas! Je l'avais dit. J'avais dit de pas l'amener, mais vous m'avez pas écouté. Vous avez vu ça, Pagones a flanché? Penses-tu? Il savait qu'il aurait tué le type. Je cherche du café. Vous avez bien agi, monsieur. Un moment, j'ai eu un peu peur, mais vous avez eu raison. Mary, apporte à monsieur Bannon de quoi manger. Asseyez-vous. Mais prenez ça, monsieur. Merci. Je pense que c'est de vous voir porter les couleurs de l'Union qui l'a énervé. Les Yankees ont brûlé sa maison pendant la guerre. C'est arrivé à énormément de gens des deux côtés. Oui, c'est exact. Et à moi aussi. Seulement, j'ai eu le temps de faire sortir ma femme et la gosse avant. Pagones les a perdus. C'est douloureux? Non, je ne souffre pas. C'était une blessure affreuse. J'ai jamais vu ça. Il y avait un trou gros comme une pièce d'un dollar quand on a extrait la balle. Dieu merci, là, c'est indemne. Voilà, papa. Merci, Mary. Ta mère et toi, allez-vous coucher. Je vous rejoins. Mary, tu m'entends? Oui, papa. Dites-moi, Mary, si je vous raccompagnais. Ma fille et ce jeune homme ont projeté de se marier dès que nous serons installés. Où vous fixerez-vous? En Californie. Quoi? On va par là. Certains remonteront peut-être au nord, vers l'Oregon. Et que faites-vous si bas au sud? Je veux dire, si c'est la côte que vous cherchez, remontez plutôt au nord-ouest. Eh bien, nous suivons cette piste, c'est tout. Mais laquelle? Il n'y a rien après Bishop Valley. Une série de reliefs qu'aucun chariot n'a pu franchir et le désert. Mais si, il y a une piste. Il y en a une, n'est-ce pas, Cap? Eh oui, il y en a une jusqu'au bout et pas de col trop haut. On traversera rien que des pâturages une fois sorti de ce pays trop sec. Qui vous a dit ça? Moi. Et notre blessé, M. Judson? Pour causer, il cause, M. Harper. Il prétend qu'il n'y a pas de piste. Pas de piste? Sans doute, M. Bannon n'est pas venu par ici ces derniers temps. Vous ne croyez pas, M. Purcell? J'en suis sûr. Je sais en tout cas que cette piste conduit à Bishop Valley, pas au-delà. Il n'y a rien plus loin. Bishop Valley? C'est vraiment peu connu comme pays, M. Bannon. J'en ai entendu parler. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, M. Harper? C'est un immense pâturage, Cap, de plus de 50 kilomètres. Le propriétaire s'appelle Bishop, Hardy Bishop. Les bêtes se promènent partout comme si le pays était à lui. Vous verrez dans quelques jours quand nous le traverserons. Le traverser? Traverser Bishop Valley? Oui, bien sûr, jusqu'aux montagnes. Après, nous passerons par le col du Berger. Travaillez là, monsieur, où vous y avez travaillé? Avant la guerre, oui. Et vous dites qu'il n'y a aucune piste? Il n'y en a plus après la vallée. Dites-moi, monsieur Bannon... Ça fait combien de temps que vous y êtes allé? 4 ans environ. Tout s'explique dans ce cas. La piste a été ouverte l'année dernière. Ce n'est pas vrai, M. Purcell? Oui, il y a un an. Eh bien, messieurs, il faudrait peut-être se quitter. Oui, allons nous coucher. Allons nous reposer. Demain, nous partirons au petit. Bonne nuit, à demain. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, M. Bannon? Je dirai à Cap et aux autres de vous garder avec nous, en tout cas jusqu'à la vallée. Ils sont un peu nerveux ce soir, mais il n'y aura pas de problème. Et on a besoin de quelqu'un qui connaît le pays. Bonne nuit. J'étais juste venu prendre mon oreiller. Début encourageant. D'abord Pagones, ensuite Harper. Ce Harper. Que voulez-vous dire? Qu'est-ce qui a bien pu le faire se joindre à vous? Nous étions à Cannon City en train de nous équiper pour faire route vers l'ouest au-delà de Humboldt. On a vu venir Harper et son ami Purcell. Ils nous ont offert de faire route avec eux et ils allaient aussi dans l'ouest.
Il disait que cette piste qui coupe la vallée raccourcit beaucoup le chemin. Et vous en cachez une chose. Nul n'a pu traverser les terres d'Hardy Bishop et en sortir sans y laisser ses os. Pourquoi ce Bishop nous refuserait-il de passer? Mais quel mal pouvons-nous faire en coupant par ces terres? Il ne s'agit pas de ça. On ne peut enfreindre la loi que Bishop édicte. Ça, personne ne s'y risque. Et je crois que Harper le sait. S'il le sait, je ne vois pas pourquoi il persiste. C'est curieux et ça me dépasse. Vous connaissez très bien ce monsieur Bishop. C'est mon demi-frère. Ah, oh, j'y suis. Eh bien, vous vous chargerez de le fléchir. Vous nous devez bien ça, je crois. Ma foi, c'est juste. Mais il y a un écueil. Il se peut que Bishop m'accueille plus mal encore que vous autres. C'est bien le con, Stark. 80. Il n'y a qu'un fou ou un malade qui oserait voler mon bétail sans une complicité chez moi. Et je sais de quoi je parle. Qui a fait le coup? Combien il t'a donné? Je vous l'ai dit, monsieur Bishop, je ne l'ai jamais vu. J'ai la conscience tranquille. Jamais j'aurais eu ce culot. J'ai l'impression qu'il dit la vérité, Harvey. Eh ben moi, j'en crois rien. Tonton, fais ton paquet. Et fous-moi le camp. Et vous deux, accompagnez-le, allez. Et t'avise pas de revenir. Eh, voilà, Chavez. Et t'as pas pu les retrouver. On les a suivis jusqu'à la mare aux chiens, mais il faisait du vent, la poussière a couvert leurs traces. Elles n'étaient pas de la première jeunesse, monsieur Bishop. Qu'est-ce que ça peut me fiche qu'une vache ait 15 ans ou soit stérile si elle porte ma marque? Tu te figures qu'on peut me piller sans que je me venge? En tout cas, ce ne serait pas arrivé si j'avais eu des gars à la hauteur. À partir d'aujourd'hui, il y aura deux types de gardes 24 heures sur 24, et ils feront bien de ne pas fermer l'œil. Suffit, allez boulotter. Encore du grabuge? J'en sais trop rien. J'ai vu un convoi de chariots. Quoi? C'est exact. Ils se dirigent vers nous. Des voleurs de chevaux, tu crois? Non, monsieur, je crois pas. Ces pauvres gens ont juste de quoi tirer leurs chariots. C'est des sudistes pour la plupart. Ils viennent par la petite vallée au nord du canyon. Combien, d'après toi? J'en sais rien. Il y a des femmes et des petits-enfants. Est-ce qu'ils t'ont vu? Oh, j'en ai pas l'impression. Y en a un qui est un Yankee. Un soldat de l'Union. Un officier, d'après son air. Oui, il a une tunique bleue et des gants d'or au pantalon. Et il s'avançait à cheval, comme s'il connaissait le chemin. Bannon? Ça, je suis pas sûr. Bannon? On l'a pas vu d'assez près. Personne d'autre? Non. Jamais il aurait le culot de revenir. Il y a une chose qu'il possède, Hardy, c'est bien le courage. Oui, mais il a pas de tête. Si on avait, il saurait ce qu'il attend en revenant ici. Et ce qu'on voit, monsieur Bishop? Peut-être que... Enfin, moi, je pense qu'on peut l'arrêter avant qu'ils aient le temps de dételer. Le convoi attendra. Hardy, essaie de réfléchir avant de dire une chose qu'après, tu regretteras. J'ai réfléchi à la question. Ça fait plus de 4 ans que je réfléchis. Et au cas où j'oublierai, il y a une tombe dans ce coin qui me rafraîchit la mémoire. Billy s'est fait exécuter par les fédéraux, tu sais bien. Et pour avoir défendu ses principes. Avec ce camp entre elles, qui brûlait, massacrait aussi bien les nordistes que les sudistes, ils s'en fichaient perdument, ils faisaient ça par plaisir. Et puis après? Mon fils est là dans un trou puant, et c'est Bannon qui l'a mis là. Tout ça est fini, et à présent, ça ne va pas tarder. Comme tu l'as dit, Stark, ce salaud de Bannon a du cœur au ventre. C'est une bonne raison pour lui mettre les tripes au soleil. C'est Bannon qui a tué le fils du patron? Je suppose que oui, dans un sens. Le jeune Bishop était un voyou de la pire espèce dès son enfance. Et Hardy... Il ne voyait que par lui. Il ne valait rien. Rien du tout. Il méritait d'être tué? Il méritait de l'être. Il fallait que quelqu'un l'abatte, on le savait tous. Tous sauf Bishop. Bannon servait l'Union comme commandant de cavalerie. Les hommes de Cantrell et ce fou de Billy en tête ne pensaient pas qu'ils pouvaient leur damer le pion. Et un jour, ils ont été jugés et fusillés. J'ai ramené la dépouille de Billy une huitaine plus tard. Mais c'est pas Bannon qui l'a tué, en somme. Il n'a rien fait pour le tirer de là. Thank you.
les amis, vous allez voir ça. Bishop Valley? Oui, à même pas une heure. Non! Jamais j'ai vu une herbe aussi épaisse, les amis. Ouais, Bannon. Devant nous. Oh, que c'est vert, j'ai jamais vu ça encore. Pressez les autres, qu'ils marchent plus vite. Allez-vous, j'y cours. Voilà cette terre. On a gagné. 50 kilomètres des plus riches pâturages de ce côté du lac Salé. Assez d'eau de source, de bois et de gibier pour occuper la vie d'un homme. Cette terre est nous. Qu'avez-vous dit? Que le convoi se rende dans cette prairie, Cap. On va rester là un jour ou deux avant de reprendre la route. Qu'est-ce que vous dites? Ben pourquoi voulez-vous attendre? On prend la paix. Hey! Hey! Cette terre est à nous, c'est ce que vous avez dit? Je dis ça, monsieur Bannon. Hey. Bonjour. C'est longtemps qu'on vous a vu. Je m'excuse. Vous n'avez pas à vous excuser. Comment va cette blessure? Me voilà remis à neuf, merci. Selon vous, quand ce Bishop va-t-il nous rendre visite? En temps ordinaire, jamais il ne nous aurait laissé avancer. C'est peut-être bien moi qui l'attends. Croyez que Bishop sait que vous êtes là? J'en suis certain. Nous nous sommes épiés depuis 3 jours. Eh bien, quand pensez-vous aller le voir? D'ici peu. J'aimerais éclaircir 2 petites choses avant. Je voudrais bien savoir ce que mijote Harper. Oh. Pourquoi voulez-vous qu'il mijote quelque chose? Non, vous êtes trop méfiant, monsieur Bannon. Ça se peut. Une autre question qui m'intrigue, c'est... C'est vous, Tony. Que faites-vous ici toute seule? Je vais vers l'ouest, comme tous les gens de notre convoi. Vous et Sir Harper n'êtes pas du genre pionnier. Ah. Précisez votre pensée. Je ne sais rien de vous. J'ai perdu mon mari à la guerre. Je me suis trouvée seule avec mon fils. Alors j'ai décidé de vendre mon mobilier et tout ce que j'avais et de partir. Et je me suis jointe au convoi à San Joe. Je suis désolée pour votre mari. Merci. Il y a juste une chose qui m'intrigue. C'est que vous soyez restée toute seule. Ainsi que je disais, ce n'est pas votre genre. Un homme doit vous aimer. Je ne sais pas encore qui cela peut être. Quand vous le saurez, vous serez gentil de me faire signe. Un instant. Je m'excuse. Je cherchais à vous mettre assez en colère pour que vous me parliez d'Harper. Oh, j'y suis! Vous avez décidé que c'est Sam Harper qui m'aime, c'est ça? Oh, je pourrais plus mal choisir. Quelqu'un comme vous, tenez. Bon sang, voilà une idée. Pourquoi j'y ai donc pas pensé moi-même? De quoi parlez-vous? Restez ici. Vous rigolez. Mais c'est Harper qui a cette idée. À quoi bon aller en Californie, qui dit, quand on a tout ce qu'il faut ici? Emparons-nous de cette terre et... Il... Harper? Oh, il est auprès des chariots, il parle avec Pagonès, je crois. Il discute avec Cap et... Qu'est-ce qui lui prend? Je disais donc, pourquoi aller plus loin? Quand on a le pays rêvé, avec plein de terre pour rien, de l'eau et du soleil en abondance. Un pays où élever vos enfants. Ah, ça, oui. Et oublier les mauvais souvenirs. Je ne vois pas de meilleur endroit.
Ah oui, mais il a raison. À mon avis, c'est... Écoutez, j'estime qu'il faudra un mois pour bâtir vos maisons. Vous avez plein d'outils et il y a assez de bois pour bâtir une ville. Pendant ce temps-là, vous planterez. Mais que devient la Californie? Évidemment, la Californie. Vous pourrez toujours y aller si ça vous chante. Ça vous fera perdre une récolte, évidemment. Ah, ça, si on perd une récolte... Et il y a aussi les Indiens, il faut y penser. Moi, je resterai ici. C'est un Attendez-moi un instant. Cette terre n'est pas à vous, réfléchissez. Il y en a bien assez pour chacun. Pas ici, c'est faux. Cette terre appartient à Hardy Bishop. Il s'y est installé. Vous faites erreur, Bannon. C'est au gouvernement ce territoire. Chaque citoyen a le droit de s'y établir. Essayez, il ne restera que des veuves pour pleurer. Cette vallée a 50 km de long. Je dis qu'il y a place pour nous tous. Mais si Bishop prend le contraire, eh bien nous sommes de taille à nous défendre s'il nous fait les ennuis. Il a raison. Non, mais raisonnable, je suis pour rester. Oui. Ça y est, j'ai saisi. Oui, y a-t-il, monsieur Bannon? Vous n'aviez guère l'intention d'aller plus loin, Harper. Depuis le jour où vous avez quitté San Joe, vous le saviez. Monsieur Bannon, je vous ai promis de vous conduire jusqu'à Bishop Valley. Voilà, c'est ici, Bishop Valley. Dud, conduis-le à son cheval. Quelque chose encore. Quand vous verrez Bishop, dites-lui qu'il a un peu trop de terre. Un peu trop pour un monsieur seul. Son devoir, Hardy. Il est mieux que tu crois. Non, j'ai mes idées. Attends avant qu'il y soit forcé. Je veux lui parler. Nous n'avons rien à nous dire. Il ne te reste qu'une cartouche, Hardy. Tu veux t'en servir? Ah.
Hardy, il faut que tu m'écoutes. Tu m'écouteras ou je t'enfonce dans le crâne ce que j'ai à te dire. Reste là, Hardy. M'oblige pas à recommencer. All right, somebody help him up. Charlie, Red. Take him to his room. He really belted you. Hurt much? What do you think? There's some stuff over in the bunkhouse. Ask the boys. They'll fix you up. Glad to have you back, Ned. Thanks. Here you are. Ton sang. Il est encore là. Oui. J'aurais jamais tiré sur lui. Je sais. T'as raison. Mais je le ferai. Non, Hardy. Jamais laissé une telle chance à un homme dans ma vie. Et encore sa chance. S'il fiche le camp avant que mes blessures guérissent. Il s'en ira pas. Alors je le tuerai. Non, tu ne le feras pas. Je sais que tu vaux mieux que ça. Pourquoi? Parce que cette bruit est du même sang que moi. Tu me connais moins bien que tu crois. Hardy, tu sais que Billy valait pas cher. Il était mûr pour recevoir une balle dans la peau. Sors d'ici. Ned l'a pas tué. Ça aussi, tu le sais. Sors, Stark. Pas encore. Pourquoi tu ne veux pas l'admettre? Ned s'est toujours montré un fils pour toi, beaucoup plus que Billy. Tu sais quel genre d'homme c'est, quel principe il défend. Il aurait fait de même si Billy avait été son fils. Dis aux hommes de s'apprêter à sortir demain. Toute la troupe. On va faire la chasse à ces pouilleux du Sud. Et Ned, qu'en fais-tu? Je refuse d'exécuter les ordres au bout de 20 ans. Pas l'étrange de faire ce que je t'ai dit. J'y vais. Tâche de lui parler, toi. Il ne demande que ça. Tu le renverras après si tu y tiens. Il s'en ira. Mais s'il part, tu perdras l'une des rares personnes en ce bas monde qui a jamais eu de l'affection pour toi. J'ai déjà du maïs bien chaud. Ben, ça va. Donne-en pour deux. Bonjour. T'as déjà dit bonjour une fois.
On peut causer, Hardy? Non. Depuis 4 ans, j'ai un tas de choses à te dire. J'ai pas envie que tu parles du pauvre Billy. Je veux clore le chapitre. Moi aussi, Hardy. Moi aussi. Fred! Où est Stark? Il est à la grange, monsieur Bishop. Dis-lui qu'on va partir dans 25 minutes. Ils sauront pas, Hardy. Je te dis que si. Pas ces hommes-là, je les connais, on a fait route ensemble. Tu crois que j'ai pas trouvé ça un peu louche? Si t'écoutais au lieu de te ficher en rogne. T'accordes 20 minutes. T'as entendu, Hardy. Des crèves la faim, des sans-logis. Appelons-les comme tu veux. Rien de ce que t'as raconté ne m'empêchera de les chasser de mes terres. Je t'ai dit que tu ne pourras jamais. Veux-tu te fourrer ça dans la tête? Tu te figures qu'en te montrant tu vas leur faire peur, il faut bien autre chose pour les effrayer. Le seul moyen que t'as de les faire partir, c'est de les transformer en cadavres. Et j'y suis décidé. Même s'il te faut tuer des femmes et des gosses? C'est pas moi qui les ai amenés ici. Ils ont voulu y venir. Non, ce n'est pas ces hommes, c'est Harper, j'arrête pas de te le dire. C'est bel et bien lui qui les a fait venir. Mais tu restes là et t'écoutes pas. Tout ce qui t'intéresse, c'est de savoir comment tu vas les faire partir. Eh bien, bon, que veux-tu qu'ils m'intéressent en eux? En quoi est-ce différent des autres fois? Je vois venir une bande de gens, ils grattent ma terre. D'abord 1 hectare et ensuite 10 et toute la vallée. Très bien, c'est Harper qui les a amenés. Qu'est-ce que t'attends de moi, Ned? Tu me laisses découvrir pourquoi Harper est là. Oh, ça saute aux yeux, il vient faire de la culture. Harper est encore moins un fermier que ton Charlet. Écoute, je ne sais pas plus que toi quel est son but, mais il y a quelque chose. On dirait qu'il a envie de provoquer des complications. Pour besoin, ce type-là, d'une poignée de pauvres bougres comme eux. Ils ont des têtes de bois, ils ne jouent que par lui. Il doit avoir son idée, je veux savoir laquelle. Que désires-tu au juste? Gagner du temps. Et crois-tu que j'ai du temps, moi? Hardy, c'est la seule chose à faire. C'est bête que tu as vu. Tu penses que ce sont celles qu'on m'a volées? C'est ce que tu m'as dit, 80 têtes. 12 hommes les conduisaient. Tu penses que Harper est dans le coup? N'en sais rien encore. Et le type qui t'a tiré dessus? Celui qui avait un fusil incrusté d'or et de drôles d'éperons. C'est la première chose que j'ai cherchée. Aucun homme du convoi n'en avait. C'est bon, je te fais un marché. T'emploieras ta méthode. 3 jours, ça te va? Après la mienne. Marché conclu. Je dirai à Stark et à Chavez de t'accompagner. T'as besoin de rien d'autre? Non, rien d'autre. Bon, très bien. Tu n'as pas de valet indépendant avec un fusil doré? Oh, ces gens-là ne restent jamais. Le seul que j'ai eu est reparti au Texas. Je vais chercher Stark. J'ai l'impression que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Chaque famille aura son coin de terre au bord de l'eau. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Chaque lopin aura et un pré et un bois et sera divisé comme ça. Aucune partie de la vallée ne semble ni mieux ni pire qu'une autre. Par conséquent, il ne reste qu'à déterminer les lots. Pourquoi ne pas numéroter les lots sur votre carte et les tirer après au sort? Excellente idée. J'ai du papier là-bas dans mon chariot. Je vais le chercher pour écrire les numéros. Mac, qu'en penses-tu? Tu vas t'installer dans le coin? Oui, tu parles. Moi, je compte bâtir ma maison face à l'est, avec mon salon à cet endroit. Tiens, j'aurai le soleil à son lever. Et puis ma chambre, je la mettrai par là. Et celle d'Hélène et Willy, par ici. Alors, vous irez habiter chez les Johnson avec le petit? Eh bien, j'ai essayé de refuser, mais vous connaissez M. Johnson. Ah, ça y est, vous voulez que ça recommence? Au train où vont les choses, j'ai bien peur que le jeune Dude Hudson ne m'enlève la seule fille que j'ai. Oh! Oh, alors, maman, Mac n'est pas fou, il a des yeux. Mary et Dude roucoulent toute la journée comme des tourtereaux. On va les fourrer sous le même toit, ça devrait les calmer. J'ai entendu. Quand vous serez décidé à bâtir votre maison, faites-moi signe. J'ai pas mon pareil comme charpentier. Oui. D'accord. Dites, Hélène, je crois que vous êtes comme elle, que vous rêvez des mêmes choses. Ah, comme qui? Comme Mary. Une maison à vous, un mari. Un jour, pourquoi pas? Je sais que vous n'êtes pas très heureuse. Et je sais aussi pourquoi. Ah, curieux. Oui. Vous n'êtes pas une enfant comme Mary. Une femme qui a été mariée, il y a certaines choses qui manquent à son bonheur, des choses qui... Écoutez, Mac, si c'est une demande en mariage, merci.
Je vais y réfléchir. En ce moment, j'ai beaucoup à faire. Hé, hey, Mac! Que pensez-vous qu'ils veulent? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? En passant par là, on vous a vu de la colline. Êtes-vous de chez Bishop? Non, on est des mineurs. Oui, on exploite une petite mine là-haut. On est à court de tabac. On est venu voir si on pouvait vous en acheter. Je pense que j'en ai assez pour vous. Venez. Quel homme, ce Harper! Ça n'a pas de prix, un type comme ça. Vous avez tort, Ador. Le prix est parfois trop élevé. Marcel. Votre tabac. Vous savez ce que j'attends? Eh bien, que Bishop sorte et attaque le convoi. Alors, mes hommes et moi, on prend son ranch. Et quand il revient, que vous avez laissé, on l'achève. Vous y arriverez sans peine. Je pense que ces ballots en tueront 10 ou 12 avant d'être démolis. Et peut-être bien en blesseront le même nombre. Bishop ne pourra rien contre vous. Et pour ça, qu'est-ce que vous m'offrez? La moitié de son bétail. Eh bien? Plus. Et pourtant, vous étiez d'accord? En fait... j'ai bonne envie de prendre tout pour moi et de le garder. Après tout, vous n'êtes que deux, nous sommes 12. Allez-y, gardez. Gardez tous, 5000 têtes de bétail, c'est un joli denier. C'est aussi très dur à liquider, Zaratin. Vous les vendrez-vous? N'oubliez qu'on vous recherche dans tous les territoires au sud du Missouri. On vous connaît, la police est à votre hausse. Oh, j'ai des amis. Oui, oui, vous avez de bons amis. Ils vous ont payé cher les 80 vaches volées chez Bishop l'autre semaine? Qui vous a appris ça? Combien vous ont-ils donné? 3 ou 4 dollars par tête? 6. Moi, je vous en donne 25. Ouf. C'est mon affaire. 25. Vous dites 25 et vous réglez ça... Cash. Si vous tentez de me rouler, c'est vous qui le serez. Quoi encore? Cette femme-là. Eh bien. C'est curieux, mais je crois avoir déjà vu cette femme-là. J'en doute fort. À Saint-Louis. Oui, je l'ai vue pendant la guerre, à Saint-Louis. Elle était en Virginie à cette époque, elle ne connaît pas Saint-Louis. Peut-être bien. Écoutez-moi bien, tous les deux. Je pense que Bishop enverra ses hommes ici dans l'espoir de faire peur à ses pauvres bourgs. Vous n'êtes pas trompé. Regardez. Un de vos amis? De rester là. Il ne faut surtout pas qu'ils vous reconnaissent. Venez, Purcell. Salut, Bannon. Hudson. Rassemblez vos gens, je veux leur parler à tous. Les touches par ici, vous autres. Oui, venez, monsieur Bannon veut vous parler. Allez, venez vite. Will! Will! Alors, vous avez l'intention de nous chasser, Bannon? Pas question. Je dois trois ces braves gens pour faire ça. Alors, écoutez. Ces terres appartiennent à quelqu'un, comme j'ai cherché à vous l'expliquer. Et il prétend qu'il ne veut pas nous chasser. Je le maintiens. J'aimerais que vous quittiez tranquillement ce pays. Et si jamais on refusait? Hardy Bishop a 20 hommes qui seront vous dresser. D'une façon ou d'une autre. Fichez dans le camp, Bannon. Ouais, partez les chercher, vos hommes. Attendez, on va pas se battre avec eux. Je comprends que ce soit dire de partir quand vous pensiez avoir un coin à vous. Si ça m'appartenait. Mais non, hélas. Je vous suis tellement reconnaissant de m'avoir sauvé la vie. Soyez sûr qu'on n'en fera jamais cette bêtise, vous entendez? Oh, mais enfin, pourquoi écouter ce type-là? Je peux peut-être faciliter votre départ. Vous chasserez tout le gibier dont vous aurez besoin jusqu'en Californie. Et Bishop vous offre quelques vaches laitières avec deux bons taureaux en plus, qui vous donneront des veaux au printemps. Vous êtes à court de munitions, nous pouvons vous en fournir. Je verrai ce qu'on peut vous donner comme farine et comme lard. Vous allez monter au nord pour gagner le Humboldt. Le chemin n'est pas facile, mais ne vous inquiétez pas, je vous y conduirai moi-même. À partir de là, ça ira tout. Eh bien... voilà.
Des vaches laitières, vous entendez? Nous aurons des bêtes à nous. Oh, oui, vous êtes un policier, si vous voulez, moi je reste ici, raconte des histoires. Je dis la vérité. Il ment, c'est clair. Une petite minute, Harper. Je m'adresse à ces braves gens, que pour une fois, ils prennent leur décision. Pourquoi Bishop nous ferait-il un cadeau, Bannon? Pourquoi nous? Il n'a jamais rien donné à personne de toute sa vie. Mac, qui a dit qu'on allait accepter? Inutile de vous décider tout de suite. Réfléchissez. Des vaches, des taureaux, le manque de lait est cruel pour les petits. Allez-y, écoutez-le, c'est ce qu'il cherche. Il veut vous faire quitter votre terre. Il vous endort avec des promesses qu'il n'a pas envie de respecter. Ça n'a pas le moindre sens. Sors là pour moi. Je sais qu'Harper a raison. Mon Dieu, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je suis d'avis d'accepter. Attendez, je vous demande de m'écouter, vous tous. Est-ce que je vous ai trahi? Non. Répondez-moi en toute franchise. Qui est-ce qui vous a conduit ici? Qui est-ce qui vous offre une bonne terre où vous établir? Une terre dont vous n'auriez jamais rêvé? Oui, mais je crois que vous oubliez ce que M. Bannon nous dit. Laissez-le continuer. Maintenant que vos existences en dépendent, vous commencez à douter de moi. Enfin, je veux dire, je veux bien qu'on soit de la vie d'un Cap ou bien à Judson, ça oui. Mais pas de celui d'un de ces Yankees de malheur. Oui, vous entendez, j'ai bien dit Yankees de malheur. En voilà un exemple. Regardez celui-là. Regardez sa main, ça le démange de tirer. Mais il n'y a pas de danger, le moment n'est pas encore venu. Ces types-là, il leur faut la nuit. Ils se glissent près de vous et attaquent comme des coyotes. En arrière. C'est faux. Je crois que ça va mal tourner, ça tient à un fil. D'accord. Partons. Allez, reculons. En arrière. En arrière. Ne tirez pas! Arrêtez! Ne tirez pas! Vous ne les aurez pas! N'essayez pas de les suivre. Ils sont capables de vous tuer un par un sans que vous sachiez qui vous tire dessus. La seule chose à faire, c'est de faire un cercle avec vos chariots. Monsieur Harper, je crois qu'il faudrait d'abord qu'on mette en terre la pauvre Madame Judson. Oui, vous avez raison, Clark. Votre Bible. Aide ! On peut le ramener? Pas à cheval, il perd trop de sang. Il vaudrait mieux aller au ranch chercher une voiture. Reste là avec Red. Où vas-tu? Bishop va voir ce gosse. N'est plus qu'à retourner dire à ces pauvres gens de filer. Tu es fou, Ned. Tu te figures qu'ils te laisseront discuter après que Red a tué cette femme-là? Red ne l'a pas tué. Mais je l'ai vu. Oui, tu as vu Red faire feu et cette femme tomber aussitôt, mais ce n'était pas cela. Quoi? T'as vu le trou que la balle a fait? Devant, il était normal. Mais quand on a retourné la femme, il y avait un trou à mettre le point. C'est une balle d'agent spécial qui peut faire un trou de cette taille, et jamais Red n'en a eu. Je connais ces balles-là, ça. Elles sont creuses et fendues en longueur. Quand elles touchent, elles font explosion. Avec ça, dans le ventre, t'as la moitié des moyeux arrachés. Mais pourquoi quelqu'un aurait tué cette femme? Pour faire croire que c'était nous. Pour soulever une telle haine contre moi que seule une guerre à mort en puisse sortir. Ces balles-là, qui peut bien s'en servir? Deux de ces gens-là sont capables de ça, hein, en tout cas. Ce franc-tireur qui m'a troué le ventre. Devant moi en présence de lui. Joindra ma tête, lui. Tu frappas ses mains. La bonté et la clémence me suivront tout au long des jours de ma vie. Et je resterai à jamais dans la demeure. Ah.
l'enterrement. Où est Barrett? Beaucoup de larmes, beaucoup de prières. Je dis où est Barrett? Avec son cheval, il est déféré. Où est le vôtre? Il est temps de partir. Sans qu'il ait mangé? Je ferai pas ça à un animal. Donnez-lui à manger. Vous, vous mangerez en route. Barrett vous suivra quand son cheval sera ferré. Combien de temps pour rejoindre vos hommes? Une heure. Et de là chez Bishop, combien? Une heure. J'ignore quand l'ami Bishop fera sa sortie. Il se peut qu'il attende deux jours. Mais j'ai idée que quand il verra ce que j'ai fait à son bouvier, ce sera pour ce soir. À nous de jouer, alors. Quand il sortira, nous entrerons. Non, vous mettrez d'abord un guetteur. Demandez à Barrett. Et vous, que ferez-vous, vous, quand l'huile sera dans la poêle? Vous inquiétez pas, je me charge de faire la friture. Autant vont les choses, ce ne sera pas trop dur. Les esprits sont juste assez échauffés. C'est tout? Il n'y a pas autre chose. Le corn beef, c'est vraiment peu pour ce que je vais faire. Emportez toujours ça, l'ami. Et demain soir, vous aurez de la viande fraîche. Bonsoir. Saint-Louis. D'abord, c'était par simple curiosité, et après, je m'en suis souvenu. Mais qui êtes-vous? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah, si, vous pouvez rouler ces fermiers, ce Harper, oui. Mais on ne roule pas, Zarata. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Non, moi, si, je vous ai vu. C'était pendant la guerre, dans ce boui-boui où vous dansiez. Oui, mais vous avez sûrement raison. Vous n'avez pas vu Zarata? Non, vous ne regardiez que les officiers et ces beaux ranchers qui se pavanaient avec leurs poches remplies d'argent. Vous n'étiez pas si farouche. C'est faux. C'est faux, c'est pas ça du tout. C'est cruel d'évoquer ces choses. Mais non, vous ne comprenez pas. C'était dans une autre vie. De vous sauver. Après tout, entre nous, je suis pas si différent de ces officiers. Pitié! Lâche le couteau! Lâche ça, compris? Tourne-toi. Qu'importe les moyens pourvu que les autres crèvent. Que ce soit de soif, d'un coup de couteau ou bien avec une de tes balles. Je vois pas la différence. Sauf quand tu les manques. C'est un luxe que je peux pas me payer souvent. Qu'est-ce que c'est? On a tiré, on a...
ça vient de la rivière. Qui est là-bas? Ne laissez pas partir. Cap, qui est là-bas? Oui, elle est. J'ai dit, donnez-moi ce fusil. Un pas de plus et je t'ai le pété. Ton fusil et tes balles, on connaît leur travail. Allons, lâche-le. Il mourra. Et toi aussi. Ah, oui. 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 Nous, cette femme et le gosse sont là. Reste au fond des carrières. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui vient là? Hé, hey, c'est un de ces mineurs. Badot, c'est lui qui est là-bas. Il a voulu prendre la femme. J'ai essayé de l'empêcher. Et arrête. Il est mort. Bannon l'a tué. Oh, mort, Bannon! Il y a quelqu'un d'autre avec lui? Personne, il est seul. Allons-y! Allons, suivez-moi! Allons, suivez-moi, allons-y, allons! Oh oui, il est blessé. Il doit avoir le bras cassé. Oh, Will, Will! Allons-nous-en, la situation risque de s'aggraver. Qu'est-ce que vous faites? Il faut rejoindre ses chevaux. Il est là! Bannon, emmène le gosse! Ah, il va se sauver! Viens ici! Non! Il y a le gosse! Soignera le petit. Fais attention, il a peut-être bien le bras cassé. Ah, c'est du beau travail. Mais lui, notre attel. Allez avec Charlie, il s'occupera de Will et vous donnera à manger. Essayez ta méthode. Maintenant, essayons la mienne. Stark, Chavez. Combien d'hommes as-tu à toi, Stark?
15 ou 16. Et où sont les autres? Dans les pâturages. Encore ce retard. Non, je prends Muret avec moi. Sam et Hall, restez avec Charlet, j'emmène le reste. Tu as dit 3 jours. T'entends? Oui, Hardy. Chavez, prends les fusils. Les nouveaux, fais-en passer un à chacun. Entendu. Écoute, Hardy, tu as dit 3 jours. J'ai cru en ta parole, elle vaut bien quelque chose. Non, pas quand ça me coûte un de mes hommes. Non, c'est ça, va faire couler le sang et puis on perdra non, 5 ou 6 hommes. Cette poignée de colons, je saurais les dresser. C'est qu'ils sont beaucoup plus nombreux que tu ne crois. Qu'est-ce que tu bafouilles? Devine pas. Ces voleurs de bêtes? C'est très menacé, Hardy. Beaucoup plus qu'il n'a jamais pu l'être avant, mais tu ne l'es pas par ces colons. Satané voleur, je te le. Ils sont dans le coup, eux aussi. T'as besoin que de prendre ce Harper. Pourquoi être menacé puisque ça doit finir par une bagarre de toute façon? Dis-leur de se presser, Stark! Écoute, laisse-moi aller les convaincre de nous livrer Harper. Non, mais tout à l'heure, ces brutins, je leur pardonne pas d'avoir tiré sur le gamin. Et c'est ce Harper. Ben, tout ça, c'est pareil. Ils se ressemblent tous. Tu crois ça? Suis-moi, j'ai quelque chose à te montrer. Si t'as envie de japper, jappe. Vas-y, ça te soulagera. Jamais les hommes pleurent. Oh, je croyais que les hommes savaient pleurer. Les vrais. Il n'y a que les genoux qui croient ça. Qui se retiennent de peur qu'on se moque d'eux. Ça fait mal. Mais qui est-ce? Le petit s'appelle Will et sa mère Hélène. Regarde-les bien, Hardy. Regarde-les de près. Est-ce qu'ils ressemblent à Harper et à tes voleurs de bêtes, comme tu l'as dit? Ils sont sur mes terres. C'est tout ce que tu as à dire. Ils sont sur mes terres. Tes terres. Tu en parles comme si elles étaient sacrées. Elles le sont pour moi. Apprendras-tu un jour, Hardy, que sans bras, elles ne sont rien, mais que ce sont les hommes qui leur donnent une valeur. Et toi, tu m'assommes avec ça. Tu auras beau dire les autres, je m'en fous. Tu ne me feras pas croire ça. Toute ma vie, je m'en suis foutu. Allez, Ned, débarrasse-moi de ces gens-là et de toi avec. Ta décision est prise. Tu es décidé à les détailler en pièces. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Il faudra alors que tu me tues moi-même, parce que je vais me battre auprès de ces gens-là. Hein, ça tombe à pic. Habiller le gosse. Tu nous détestes, pourquoi? On fait rien de mal? Oui. Tu dis que Harper a fait le coup et non ses pauvres bougres. Tu dis qu'il a tiré sur Red. Tu les déciderais peut-être à me le livrer? Sachant ce que je sais. Tu les ferais partir, quitter ma terre sans qu'ils tuent personne d'autre? Oui, je crois. Mais s'ils ont tué d'autres? On recourra à ta méthode. Ta méthode? J'en avais une autrefois. Je savais nettement ce que je voulais. Madame, le petit doit avoir sommeil. Oh oui, oui, merci. Premier vrai lit depuis un mois. Sortez si vous voulez. Je resterai avec lui pendant ce temps-là. Oh, mais ce n'est pas utile. Il peut avoir besoin de quelque chose. C'est assez déroutant. Madame? Bishop nous offrant sa chambre. Il semblait si dur, si brutal. Il est brutal. Je le croyais prêt à haïr tout le monde. Et c'est lui qui agit ainsi. Non, il n'éprouve pas vraiment de la haine. Il a seulement peur d'aimer les gens. Vous êtes un homme très fin, Charlie. Non, madame. Je suis canadien.
petit dort? Oui. Est-ce que il y aurait quelque chose à faire? Enfin, je veux parler d'Harper. Peut-être bien. Seulement pas sans avoir dormi. Bonne nuit. Vous pensez aux choses que cet homme a dites sur moi ce soir au bord de l'eau? Oubliez ça, je n'en ai pas cru un mot. C'est vrai en partie. Pourquoi ne l'auriez-vous pas cru? Vous n'avez pas à l'admettre, Hélène. Pas devant moi. Je l'admets. En pleine guerre, on ne sait plus ce qu'on fait. La guerre n'y est pour rien. Elle facilitait les choses. Mais votre mari est mort. Vous l'avez dit vous-même, et votre maison a été... Jamais je n'en ai eu. Et je n'ai jamais eu de mari. C'est pas un tableau bien joli. Pas plus que le milieu où j'ai vécu. On s'en sort quelquefois. Oh, l'effort peut-être bien. Moi, j'étais trop faible et... C'est une chose étrange que la force. Je ne crois pas que l'on est fort. Je ne suis même pas sûre que l'on puisse vous apprendre à le devenir. Je crois que c'est une chose que l'on apprend soi-même à travers de terribles épreuves. Le petit? Oh, lui, ce n'est pas ce que vous croyez. J'ai voulu ce bébé. Vous savez, je l'ai désiré plus que n'importe quoi. Comme si... Enfin, comme si c'était la seule chose pure qui ait jamais été à moi. La seule chose dans ma vie qui resterait belle, nette et... Et l'histoire de mon mari ne marchait qu'une fois sur deux. Je voyais des gens que j'avais connus autrefois. Et le petit devenait assez grand pour souffrir des propos qu'on tenait sur lui. C'est alors que je me suis sentie forte. Assez forte pour commencer une autre vie. Une vie droite. Pourquoi est-ce que vous me dites ça? Vous ne savez pas. Vraiment. Baisse-toi. Des coups de feu. Des coups de feu, je les ai entendus. Non, c'est rien. Mais qui est-vous? Non, il ne faut pas faire cette porte. Écartez-vous de ces fenêtres! Vite, éteignez la lampe! Va chercher le petit. Vous voyez quelque chose? Non. Où croyez-vous qu'ils sont? Maman! Les coups de feu venaient du corral. Oui, Bishop, dans la grange. Les autres sont au commun? C'est bien ce qu'ils ont essayé d'attaquer. Tiens. Restez où vous êtes. Barricadez-vous. Écoute, mon chéri, tu vas rester là, hein, sans bouger. Poussons ça contre la porte. Prenez un fusil. Oui. Thank you.
voit rien dehors. Si seulement il était par là, à découvert. Moi, les enfants, je compte pas attendre qu'il fasse jour. Je veux pas me faire bousiller comme Maurice. Suis ton avis, bonne sortie. Restez où vous êtes. Qui vient avec moi? Je suis ton homme. Croyez-moi, vous ne ferez pas trois pas dehors. Parle toujours. Vas-tu nous faire, Stark, nous tirer dessus? On piquera tout droit, à travers le corral, pour arriver jusqu'à la grange. Au moment où ils font feu, vous ferez la sortie. On y va? Commun. T'as vu personne? Si, mais le type était tout seul. Ils ont l'air d'être toute une ribambelle. Ils ont attaqué les communs, ils les transforment en cercueil. Combien sont-ils? Peut-être bien une douzaine. C'est tout? Il n'y était que 12, à moins qu'ils aient rallié les colons. Ouais, ils nous possèdent. C'est facile pour eux, chaque fois qu'un de nous se montre, ils n'ont qu'à le démolir. Ah, si je trouvais seulement un truc pour que les hommes sortent de la baraque. Réfléchis en vitesse, le jour ne va pas tarder à se lever. Attends une minute. Il y a de l'eau par ici? Et une baraque dans le coin. Pourquoi? Apporte de la paille. Quoi? De la paille? Et pourquoi faire? Arrose-la, charge-la sur le chariot. Et quelle est ton idée? Faire un feu. Avec de la paille mouillée? C'est ce qui brûle le mieux, tu ne savais pas? Ouais. Ça fume comme... comme le diable en personne. Je vois toujours rien. Si ça peut te consoler... Eux non plus. Il y a 4 tués pour le prouver. Et on n'est pas plus avancés les uns que les autres. On ne peut pas sortir, ils ne peuvent pas entrer. Bon sang, si ça marche. Eh, tu ne verras plus jamais de ça. Hein? Hé, regardez. Il y a quelque chose dans la grange. Que je sois pendu si ce n'est pas une lumière. Allons-y, pousse. Thank you.
ça, Bannon. Les mains en l'air. Laissez-les partir à peur. C'est entre vous et moi maintenant. J'ai une chance, Bannon. Avec eux, je sortirai d'ici. Allez chercher deux chevaux et tâchez de me les amener derrière la maison. Mais allez-y, Bannon, avant que je ne... Avant de quoi faire? De tirer les balles qui vous restent? J'en ai plein encore. Je me demande. Oui, je me demande s'il vous en reste une. Allons. Ne me poussez pas, Bannon. Je ne vous pousse à rien du tout. Je ne fais que réfléchir. C'est bien idiot d'écouter un homme qui n'a plus une balle dans son pistolet. Vous allez les chercher, ces chevaux? On a beaucoup tiré, Harper. Vous vous en êtes donné. Comptons. Vous m'avez tiré dessus trois fois. Il devait vous rester trois balles. Vous avez dû les tirer. Rappelez-vous, vous n'êtes pas capable de compter jusqu'à trois. On a trouvé Hardy. Comment ça a trouvé? Tu ferais mieux de venir en vitesse. Je m'occupe de Charlie. Ah, je vous défends de me toucher avec vos salvates. T'aurais fouillé dans le corps d'un homme, c'est une honte. Ça n'a rien de chrétien. Ah, oh. Oh, Ned, je t'ai mangé. Beau garçon. Et puis, quels éperons il a. Cessez de me torturer, j'ai dit. Ah, si vous voulez faire quelque chose pour gagner votre paye, allez chercher mon whisky. Mais, il n'y en a plus? Je sais que la bouteille est vide. Derrière le coffre à avoine. Ramenez-moi ce que vous trouverez. Charlie ne connaît pas cette cachette. Hardy, tu parles trop. Oh, je tiens ça de toi. Rien que des mots. Ah, ah. Rien que des paroles. T'as jamais été bon qu'à ça. Alors, repose-toi, ça vaudra bien mieux. Bon sang. Ah, si c'est pas malheureux. Ah oui, mais ma foi, on leur en a fait voir pareil. Ah, ah, quelle belle bagarre. On s'était pas colté comme ça depuis 52, hein, Stark. Oui, Hardy. Ah. Ça. Il va claquer. Claquer. Moi. Ça vaudra la peine d'être vu si je claque. Bishop s'est effectué. C'est bien triste. Merci. Où est-ce que vous allez? Dans le nord et après dans l'ouest. Comme on avait pensé d'abord. Si on nous avait cru au lieu d'Harper, pas mal d'ennuis auraient été évités. Et de tuerie. Sur un point, Harper avait peut-être bien raison. Vous devriez peut-être rester dans cette vallée, vous tous. J'aimerais que vous restiez. Après ce qui s'est passé. Vous n'avez fait que chercher un endroit où vous fixer pour toujours. Je serais content de me fixer ici. C'est une belle terre. Ce n'est encore qu'une terre. Pour qu'elle soit vraiment belle, il faut des bras. Je souhaite que vous restiez. Vous avez entendu ce qu'a dit M. Bannon? Il a dit qu'il voulait qu'on reste ici. Pas besoin de faire ça! Elle est partie. Avec le petit. Où ça? Au nord, vers le Humboldt, quoi. Merci. Merci.